établi n'arrivera pas. Et même quand c'est établi, il y a une loi de Dieu qui te donne la possibilité d'arrêter la chose et de la changer. Je peux entendre un amen? Le peuple mourait, le peuple criait, ils étaient assoiffés, et criaient à Moïse, nous allons au pays, nous et nos enfants, et tous nos bétails, et descendit, et dit à Moïse, prends ton bateau. Et parler au boucher. Je vais parler au boucher. Tu m'es donné la décision. Oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Dieu, notre Père Céleste. Zambi, Katabeka, désolé. Pour la grâce qui nous a été accordée d'être encore dans ta présence de ce côté-ci de l'éternité, nous voulons dire merci. Mais dans ta présence, Seigneur, aucun être humain ne peut se sentir suffisant. Nous nous sentons insuffisants et prions que tu pardonnes tous nos péchés. Regarde-nous au travers du sang de l'agneau et accorde-nous la grâce d'être attiré par le Saint-Esprit et réellement transporté en toi. Nous avons confiance, Père, que tu planteras ta parole dans nos cœurs en ce jour et qu'aucune puissance de Satan ne saura s'agiter en ce lieu. Car en ce moment, nous prenons toutes choses sous contrôle au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton propre nom, toi qui as réuni ton peuple. Bénis Israël et bénis le reste de ton peuple au travers du monde. Partout où tes enfants sont rassemblés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme la dernière fois, nous allons nous lever et nous saluer d'abord les uns les autres. Si vous ne connaissez pas le nom de votre frère, demandez-lui son nom. Si vous ne connaissez pas le nom de votre sœur, demandez-lui son nom. Dites-lui shalom, shalom, shalom. Demandez-lui son nom si vous ne connaissez pas son nom. Demandez-lui son nom si vous ne connaissez pas son nom. Dis-lui shalom, bien-aimé, shalom, sœur, shalom, frère. Shalom, shalom. Nous sommes en route vers la gloire. Et c'est avec ses frères que nous allons partager l'éternité. C'est avec cette sœur que vous allez partager l'éternité. C'est avec lui que vous partagerez l'éternité. Dites-lui shalom. Because you first loved me, oh Seigneur, tu es si précieux pour moi, Seigneur, tu es si précieux pour moi, et je t'aime. Car tu m'attends.
t'aimer et je t'aime, oui je t'aime, t'assure à t'aimer. Frère Branham dit, si tu n'es pas capable de serrer la main de ton frère ou de ta soeur, de l'embrasser, de lui dire que Dieu te bénisse, shalom, alors c'est que tu ne seras pas au ciel. Parce là-bas, c'est comme ça que nous vivrons. Voilà pourquoi nous devons laisser tomber les différences et regarder vers le but que nous poursuivons. Ne l'oubliez pas. J'étais en train de dire à Frère Didas, la chose la plus importante que j'ai retenue moi-même du culte de dimanche passé, parce que nous sommes enseignés nous-mêmes, voyez-vous, ce que moi j'ai retenu, c'est l'endroit où Frère Branham disait que la chose la plus essentielle du message, c'est l'humilité. Voilà pourquoi vous verrez que sur la terre, peu importe qui vous pouvez être, mais le jour de la mort, toute votre gloire s'en va. Pensons-y. Alors, pendant que vous êtes debout, nous allons lire la parole. Nous ouvrons dans le livre des Psaumes, au chapitre 91. Psaume chapitre 91. Et nous allons du verset 1 au verset 8. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et en ce jour, nous commençons une étude que nous intitulons Zone de sécurité. Et pour aujourd'hui, nous allons parler du fait d'être à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Ça sera le sous-thème de ce jour. Dans ce grand thème que nous intitulons zone de sécurité. Et comme vous pouvez le voir, je veux m'employer au travers de cette étude de vous parler de la sécurité, de notre sécurité, de la sécurité des croyants, mais pas seulement,
Pas seulement de la sécurité. Nous allons aller un peu au-delà. Afin que vous voyez plein de choses qui se cassent derrière des choses aussi simples. En fait, je voudrais amener votre foi à un autre niveau. Je veux dire au niveau requis pour l'adoption. C'est là où je voudrais vous amener. Donc, je ne veux pas me contenter d'apporter ce message comme un bon pentecôtiste, mais je vais essayer de planter vos pieds dans la parole, parce que notre fondement c'est la parole. Notre étude, nous la tirons du livre des Psaumes. Le mot Psaume veut tout simplement dire cantique. On peut aussi dire hymne ou poème. C'est ça un somme. Et puisque nous parlons de poésie, pour qualifier les sommes, eh bien, l'Ancien Testament est plein de poésie et de chants. Nous les trouvons un peu partout dans l'Ancien Testament. Moïse, par exemple, nous le voyons en train de célébrer l'Exode par un chant. C'est Exode 15 par exemple. Exode, et nous trouvons Déborah et Barak, qui dans Juges chapitre 5 exaltèrent la défaite de Sisera lorsque Dieu leur avait donné la victoire sur le roi Sisera. Et pour dire merci à Dieu, ils l'exaltèrent en parlant de la défaite de Sisera dans un champ. Et nous trouvons également dans la Bible des êtres simples comme Anne, comme dans 1 Samuel 2, des rois comme David et Ézéchias, et même un bon nombre de prophètes qui exprimèrent leurs expériences les plus significatives par des chants. Et cela est courant dans l'Ancien Testament. Dans le cas de David, on le trouvera par exemple dans 2 Samuel chapitre 1, à partir du verset 17. Pour le cas d'Ézéchias, nous le trouverons cela par exemple dans Ézéchiel 38, non plutôt dans Ésaïe 38, à partir du verset 9. Et pour revenir un instant sur David, et bien le livre des Psaumes est plein de chants chantés par David. Et ce livre des Psaumes, duquel nous tirons notre enseignement, zone de sécurité, et bien il est formé de 150 psaumes. Donc nous avons au total 150 psaumes dans ce livre. Et dans les 150 psaumes, sur les 150 psaumes, nous n'avons pas qu'un seul compositeur. Nous en avons plusieurs. David par exemple en a composé 73 sur les 150. 73 psaumes ont été composés par David. 11 l'ont été par les fils de Corée. Et vous verrez au-dessus, au début d'un psaume, il y a toujours une suscription où l'on dit psaume de David, des fils de Corée. Et c'est cette suscription qui indique l'auteur du psaume. Donc David en a composé 73. Les fils de Corée en ont composé 11. Asaph est auteur de 12 psaumes. Ensuite, nous avons quelques noms propres qui apparaissent à l'occasion d'un psaume comme ça. Comme par exemple Ethan avec TH, qui a composé le psaume 89. Nous avons Moïse qui est l'auteur du psaume 90. Et nous avons des choses comme ça. Maintenant, vous voyez que David
est le plus grand compositeur. Il a composé plus de psaumes que tous les autres. Ses compositions sont largement majoritaires. Il en a fait 73. Quand ceux qui le suivent de près, et particulièrement Asaf, n'en a que 12. Regardez l'écart. Et c'est pour cette raison que le livre des psaumes est de façon générale attribué à David. Et on dit donc les psaumes de David. Mais ça, c'est une généralité. C'est juste pour généraliser et donner un auteur au livre. Mais dans ces psaumes de David, ou dans ce livre de psaumes attribué à David, il y a aussi des psaumes de fils de Corée. Il y a des psaumes d'Asaf. Et il y a des psaumes qui ont eu un ou deux auteurs comme ça. Par contre, il y a d'autres psaumes dans ce livre des psaumes qui sont plutôt anonymes. Donc on ne connaît pas l'auteur. On ne sait pas qui avait écrit ce psaume. Et ce psaume est dit anonyme. Et celui sur lequel nous allons parler maintenant, le psaume 91, et bien, il fait partie de ces psaumes anonymes. Son auteur est inconnu. Son auteur n'est pas mentionné. Son auteur n'est pas révélé. Mais les fils et les filles de Dieu ont la révélation du véritable auteur du psaume 91. Le véritable auteur du psaume de David, ce n'est pas David. David n'a fait que traduire par écrit ou en chanson une inspiration qu'il avait reçue de Dieu. C'est Dieu qui est en fait l'auteur du livre des psaumes. Tout comme il est l'auteur du reste de la Bible. Et donc le psaume 91, quoi qu'il soit anonyme, mais nous en connaissons l'auteur. C'est bel et bien l'Éternel lui-même. Et ce psaume ont été partagés en 5 livres. Le livre des psaumes est divisé en 5 parties. Chaque partie est appelée livre. Et on dit donc, pour chacune des parties, livre des psaumes, plutôt les psaumes, livre premier, livre deuxième, livre troisième, livre quatrième et livre cinquième. C'est comme ça que cela est présenté. Et la division du livre de psaumes en 5 parties a été faite avec une intention délibérée de faire coïncider les 5 livres de la loi, la Torah, avec les 5 livres d'adoration, c'est-à-dire les 5 livres du livre des psaumes, les 5 parties du livre des psaumes. C'est pourquoi, quand vous ouvrirez votre livre de psaumes à la maison, maintenant je crois que vous allez commencer à le lire différemment. Et vous allez commencer à faire attention. Vous verrez qu'on commence par dire livre premier. Vous avancez un peu plus loin, livre deuxième. Vous avancez encore, livre quatrième. Et pourquoi cette division? C'était pour marier cela à la division que nous avons dans la Torah. La Torah est formée de 5 parties. Ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. 5 premiers livres, 5 parties, ça forme la Torah. Et là, ce sont les livres de la loi. Et dans les psaumes, ou livres d'adoration, parce que là, il s'agit des chants, des cantiques,
de poésie. Nous avons ces cinq parties. Le livre premier, le livre deuxième, et on arrive au livre cinquième. Maintenant, notez une chose. Le livre premier, il part du psaume chapitre 1 jusqu'au psaume chapitre 41 inclus. Le livre deuxième, il part du psaume chapitre 42 jusqu'au psaume chapitre 72 inclus. Le livre troisième, il part du psaume 73 et il va jusqu'au psaume 89 inclus dans ce livre. Le livre quatrième, il part du psaume 90 et va jusqu'au psaume 106 inclus. Le livre cinquième, il part alors du psaume 107 et va s'arrêter au psaume 150 qui est le dernier chapitre du livre des psaumes. Maintenant, juste au passage, pour l'intérêt des étudiants de la Bible que vous êtes, juste au passage, ce n'est pas important pour moi. Juste au passage, juste une information au passage. Quand vous allez vous amuser à regarder maintenant le livre de Somme à la maison, vous verrez que chaque partie de ce livre se termine par une doxologie particulière. Donc on élève Dieu de façon tout à fait particulière. Et en général, c'est deux. Le dernier verset ou les deux derniers versets là sont écrits en gros caractères avec une louange particulière adressée à Dieu. L'Éternel vive à jamais d'âge en âge, qu'il soit glorifié à jamais d'éternité en éternité. Une façon de marquer de façon particulière la fin d'un livre est le début d'un autre livre. Il n'y a que le cinquième livre qui ne se termine pas comme ça. Parce que le cinquième livre se termine par le chapitre 150. Mais regardez ce chapitre, il est lui-même une doxologie particulière. C'est-à-dire que dans ce chapitre-là, nous avons une élévation de Dieu de façon que aucun autre psaume ne l'a fait ainsi. C'est ce que nous avons dans ce livre des psaumes. Maintenant, moi je voudrais plutôt attirer votre attention en parlant de ces cinq parties de ce livre sur ce fait que voici. Notez ce fait, mes amis. Notez ce fait. C'est que en fait, le psaume qui nous intéresse ici, le psaume qui fait l'objet de notre étude ici, vous pouvez voir aisément dans quelle partie du livre il se trouve. Nous étudions sur le psaume 91. Et par rapport à la répartition que je viens de vous présenter, il est aisé de voir que ce psaume que nous étudions maintenant fait partie du quatrième livre. Le quatrième livre commence par le psaume 90 pour se terminer par le psaume 106. Donc vous voyez que dans cet intervalle, nous avons notre psaume 91. Il est dans ce quatrième livre. Et Frère Bonhomme nous dit, je le cite pour que je ne me trompe pas, que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance, mais rattaché à la terre. Le ciel n'a pas besoin de délivrance. Les anges qui ne sont pas tombés n'ont pas besoin de délivrance. C'est nous les humains qui avons besoin de délivrance. En d'autres termes, les
l'étude de ce psaume va justement nous amener à trouver chacun notre délivrance. Et je veux dire ceci avec force. Depuis que vous avez cru ce message, vous êtes venu du monde à ce message avec un problème pour lequel vous n'avez pas encore une solution jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois que cette fois-ci, vous devez trouver la solution. Quelqu'un dit amen. Cette fois-ci, la solution doit être trouvée. Je n'ai pas besoin de me poser des questions sur ce que Satan pense ou sur la durée de votre cas, la complexité de votre situation. Je ne sais qu'une chose, c'est que ce psaume va nous placer dans une véritable zone de sécurité. Et croyez-moi, je n'aurai pas fini l'enseignement que vous verrez cela se passer dans votre vie. Si ça ne se fait pas, alors Dieu est mort. Fermons nos Bibles, rentrons dans le monde, vivons comme des païens, faisons ce que nous voulons, parce que Dieu n'existe pas. Mais s'il existe, quelle que soit la durée de ta maladie, de ton problème, de ton envoûtement, ça doit prendre fin maintenant. Je n'essaye pas de vous flatter. Je n'essaye pas de vous donner juste du courage. Je viens vous dire ce que Dieu dit. Si vous le croyez, même si le problème est un problème d'argent, tu vas avoir l'argent en question. Pasteur, mais ça fait beaucoup de millions. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu vas voir ça. Alléluia. Amen. Si vous avez peur, vous verrez les autres bénis, mais vous ne serez pas bénis. Vous assisterez, mais vous n'aurez rien. Donc il s'agit de vous. Notez le psaume 91, justement dit que Dieu nous délivre du danger. C'est ce que dit ce psaume. Frère, je suis sérieux. Même si c'est l'argent, Dieu va vous donner. Qui vous a dit que Dieu n'exauce que quand on a de la fièvre? Vous le ramenez à un petit Dieu comme ça? Le psaume ici va vous montrer autre chose. Notre Dieu va vous donner ce que vous aviez toujours désiré. Ça va se faire. Je n'ai pas besoin de me poser des questions. Si vous me demandez, pasteur, comment ça va se faire, je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas. Mais comment tu sais que ça va se faire? Dieu me l'a dit. Ça règle la question. Vous croyez ça? Et vous allez vivre ça. Oh pasteur, j'ai des dettes, je suis poursuivi, ça va se régler. Je répète, le psaume 91 nous dit
que Dieu nous délivre du danger. Regardez ce que j'essaye de vous montrer. J'essaye de vous montrer que Dieu nous délivre du danger. Dieu nous guérit. Dieu nous sauve. Dieu nous accorde sa grâce. Mais je vais au-delà. Je veux vous montrer que vous n'avez pas besoin de recevoir de Dieu une bénédiction ponctuelle. Mais vous avez besoin de vivre dans cette bénédiction. C'est ça que j'essaie de vous montrer. Donc je veux vous introduire là. Parce que dans tous les cas, nous avons besoin de ça pour l'enlèvement. Ce niveau-là. Et c'est là que je veux vous amener. Là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur. Un piège tendu par le chasseur des oiseaux. Vous êtes des oiseaux. Vous ne le saviez pas? Oh, vous ne saviez pas? Non. Je n'ai pas dit que vous êtes des hérons. Ni des corbeaux. Encore moins les faucons. Vous êtes des aigles. Votre Père Céleste est un aigle. Et vous aussi vous l'êtes. Mais il y a quelqu'un qui tend des pièges à ces oiseaux que nous sommes. C'est un chasseur. Son problème, c'est poursuivre les oiseaux et les attraper. On l'appelle l'oiseleur. C'est le diable. Et donc, partout où sont ces oiseaux de Dieu, il y a piège et danger. Mes frères, sur la terre et dans ce monde dans lequel nous vivons, les dangers sont réels et partout. Même dans votre propre maison, avec les objets que vous utilisez, il y a danger. Prenez l'eau de Javel que vous utilisez pour désinfecter des endroits dans votre maison et tout le reste. Mais l'enfant peut faire une erreur. Il prend cette eau-là en pensant que c'est de l'eau normale. Ça devient un danger. Il peut en mourir. Je vous dis qu'il n'y a aucun endroit de la terre. Il n'y a aucun endroit sur la terre où vous irez où vous ne rencontrerez pas le danger. C'est pour cette raison que Dieu nous parle comme il parle. Parce que le danger est partout. Sur la terre, nous sommes environnés de dangers. En tout cas, il y a des dangers qui sont visibles. Il y a des dangers qui sont évidents. Il y en a d'autres qui ne sont pas évidents. On est là, mais nous ne savons pas que là il y a un danger. Tenez par exemple, mes amis. Nous avons sur la terre ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Et quand elles frappent ces catastrophes, en général, le nombre de morts s'établit en milliers. Et parfois il arrive qu'on atteigne et qu'on dépasse le million de morts à l'occasion des catastrophes naturelles. Et là, c'est la nature qui se déchaîne avec violence sur les éléments humains et sème la mort partout. Ça, ce sont les catastrophes.
catastrophe naturelle. Où est-ce que vous fuirez quand elle se déclenche? Et surtout, s'il n'y a pas eu alerte au préalable, que n'est mes amis, il y a plusieurs sortes de catastrophes naturelles. Laissez-moi vous parler de celles qui ont déjà frappé la terre violemment. Et vous comprendrez, mes chers amis, qu'il nous faut une véritable zone de sécurité. Il nous faut être à l'ombre du Tout-Puissant. Sinon, ce serait difficile. Nous savons par exemple les pluies du quand la pluie tombe avec abondance, sans arrêt et avec force, ça mène des dégâts, des inondations, des maisons qui tombent, des maisons noyées, des biens perdus en milliers de dollars que les gens perdent. Parce que quand vos appareils électroniques prennent de l'eau, parce que toute la maison est submergée, mais vous avez tout perdu. En Chine, en 1931, il y avait eu une inondation et on a enregistré 2 millions 72 500 morts. Vous voyez des vies humaines fauchées en quelques secondes par une catastrophe naturelle. Plus de 2 millions de morts. Catastrophe naturelle. C'est un danger. Où fuir? Quand c'est toute votre ville qui est inondée. Où fuir? Il y a le tremblement de terre. Tremblement de terre. Béni soit Dieu. Que dans notre pays, nous n'avons pas trop de choses pareilles. Mais en Chine, dans la localité de Shaanxi, il y a eu un tremblement de terre qui avait fait 830 000 morts. 830 000 fauchés sans avoir eu le temps de dire au revoir alors bien aimé, fauchés. Ça, c'est une catastrophe naturelle. Nous avons les cyclones que nous ici nous ne connaissons pas, parce que nous sommes dans une zone qui n'est vraiment pas dérangée par de tels éléments. Ce sont des vents violents qui viennent en tourbillonnant et souvent aussi accompagnés de grandes et fortes pluies. Nous avons par exemple des cyclones qui frappent souvent les États-Unis et beaucoup de pays occidentaux. Et ce que je peux vous dire ici, comme en guise de souvenir, nous avons le cyclone de Bola. Une localité qui a frappé le Pakistan oriental. À l'époque, le Pakistan oriental qui est devenu aujourd'hui le Bangladesh. Et on avait enregistré 362 000 morts lors de ces vents violents. Et laissez-moi vous parler des tsunamis. C'est que je n'oublierai jamais. Parce que nous avons un tsunami qui a marqué pour toujours l'histoire. Le tsunami qui a frappé le monde en 2004. Je n'oublierai jamais ce tsunami. Parce qu'à l'occasion de ce tsunami, quasiment à la même date, je venais de perdre un ami très cher. Et donc chaque fois que je pense à cet ami, je pense à ce tsunami. Quand je pense à ce tsunami, je pense à cet ami. Il est mort environ un ou deux jours juste avant. Donc je ne peux pas oublier cet événement de 2004. Ce tsunami là, c'est une très grande vague
violente, mais créée par un tremblement de terre sous-marin. Un glissement de terrain sous l'eau, ça crée une énorme vague qui peut monter à plusieurs mètres de hauteur et recouvre alors les côtes avec violence et rase au passage maison, arbre et toutes sortes de choses. Et donc le tsunami qui avait frappé l'Asie du sud-est en 2004, il a fait 225 500 morts. Catastrophe naturelle. Si vous étiez là, vous auriez fait quoi? Regardez les vidéos de ce tsunami. Il y en a sur Internet. Vous verrez même des poissons chercher à vivre. Des êtres marins qui sont habitués à l'eau. Mais là, qui cherchaient le moyen de survie. Et il y a eu aussi des phénomènes étranges. Lors de ce tsunami-là, des êtres qu'on n'avait jamais vus apparaître morts sur la berge. Oui. Il y a même une vidéo bizarre qui défie la chronique. Parce que dans cette vidéo, on voit un être qui a la possibilité d'apparaître et de disparaître, sortir des eaux lourdes de ce tsunami, grimper pour monter sur les maisons, il disparaît, il apparaît de l'autre côté. Allez regarder et vous comprendrez que nous sommes dans un monde bizarre. Pour vous qui êtes physicien et matérialiste, et ce tsunami avait frappé donc l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde et la Thaïlande. 225 500 morts. Il n'avait pas demandé de mourir. Cela est arrivé juste comme ça. Et malheureusement, ils étaient parmi les morts. Ça aurait pu être vous. Je ne vous fais pas peur, mais laissez-moi vous parler sérieusement, parce que peut-être que nous n'en aurons plus l'occasion. Est-ce que vous savez que vous êtes en danger? Pas ceux de Brazzaville, vous, Pointe Noire. Nous avons plusieurs dangers ici. Que cela plaise aux gens ou pas, je vais le dire. Le premier danger, c'est l'océan, la mer. Le jour qu'il y aura un glissement de terrain sous l'eau ou un séisme, il y aura un tsunami qui va raser tout Pointe Noire. Et ça va commencer par les quartiers de raffinerie. Siafoumou. Tous ces quartiers qui sont au bord des eaux là. Et d'ailleurs, regardez le relief de ces quartiers. Regardez la géographie. Le niveau de sol dans ces quartiers est très bas. Tous ces quartiers seront couverts. Je vous demande de prier Dieu pour qu'une telle chose n'arrive jamais. Parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de nous y diriger. Priez Dieu qu'une telle chose n'arrive jamais. Vous direz de moi, non, c'est un prophète de malheur. Oui, aujourd'hui, je vous le concède. Aujourd'hui, je vous l'accorde, dites-le. Mais je vous préviens, parce que c'est un danger. Et la ville de Pointe Noire est entourée de pipelines, des compagnies pétrolières. Vous les savez partout. Ceux qui habitent Songolo là. Mais il y a des dangers partout. Un jour, en cas de
le problème? Nous ne savons pas comment ça va finir. Priez Dieu. Que rien de tel n'arrive. Priez Dieu. Parce que la plupart des cartes de pointe noire sont très bas. Et donc, mes amis, quand vous dormez et vous vous réveillez, rappelez-vous que vous êtes en danger. Ne vous faites pas d'illusions. Le sérieux, voudrait qu'on ne reste pas les yeux fermés en disant que ça n'arrivera jamais. Que ce soit vous, que ce soit ceux qui sont en charge de prendre des décisions, nous devons tous prendre des décisions qui sont appropriées pour qu'au cas où nous sachons comment nous en sortir. Malheureusement, regardez vous-même. Quand déjà même pour manger, c'est un problème. Comment on va aller s'occuper de toutes ces histoires-là? Allez regarder les chaînes de maison de Maxwell. Vous verrez que quand quelqu'un se bat d'abord pour sa survie, il n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Il abandonne ça plus tard. Mais nous ne savons pas, mes amis, c'est un danger. Et je vous le dis, c'est un danger. Ceux qui étaient en Asie du Sud-Est n'avaient jamais pensé que cela leur arriverait. Le Japon était la deuxième puissance mondiale. Mais ils ont connu un tsunami qui a frappé le Japon, a emporté son économie et a mis le Japon à genoux. Et le Japon était surclassé par la Chine. Il était relégué. Pourquoi? Un danger venait de frapper. Il ne pensait peut-être pas que ça arriverait. Avec tout ce que nous connaissons comme dégâts aujourd'hui, il y a aussi les éruptions volcaniques. Eh bien, quand je parle de volcan, là encore ça vous échappe. Parce qu'à ce que je sache, sauf si j'ai oublié vraiment la géographie du Congo, au Congo, on n'a pas de volcan. Si j'ai oublié le professeur d'histoire géographie, vous me rappelez. Nous n'avons pas de volcan. Mais en Afrique, il y a des volcans. En RDC voisin, à Boma, il y a un volcan. Au Kenya, non loin de la ville de Nairobi, il y a un volcan. Je suis passé. J'ai vu ce volcan. Sa bouche et la fumée qu'elle dégageait. Et tout. Il y a un volcan là. J'ai prié en disant à Dieu, Seigneur, fais que il ne se réveille pas pendant que je suis là. Parce que là où j'étais, quel que soit comment je veux prendre mes jambes au cou, j'allais être rattrapé par les laves. Et vous deviez entendre que le pasteur est devenu une pierre. Et certains allaient dire, non, Dieu l'a frappé. Comme il avait frappé la femme de Lot. Donc, il y a des volcans ici en Afrique. Il y a eu un volcan en Indonésie. Il existe toujours. Le Krakatoa. Le Krakatoa. Il a fait en 1883. 78 209 morts. Sans compter les habitations. Parce que les laves coulent. Ça rentre dans les habitations. C'est liquide. C'est extrêmement chaud. Et maintenant après, ça se solidifie. Ça devient une pierre, une montagne de pierre. Il n'y a rien à faire. C'est perdu. Et quand ça rentre,
ça rentre par tous les orifices de votre maison comme un tout liquide, parce que c'est très chaud quand ça sort. Et quand ça remplit toute votre maison, après quelques temps ça se solidifie, et après ça se refroidira. La maison là est devenue inhabitable, mais sa chaleur dépasse les 5000 degrés. Donc même seulement être à côté, tu brûles. Ça ne t'atteint pas juste à côté, tu brûles. Et ceux qui vont en forêt et qui ont soif, ils veulent boire, mais ne sachant pas qu'il y a un volcan qui est non loin et qui déjà est en train de déverser un peu de sa substance dans les eaux, dans les fonds marins, mais tu ne sais pas, tu veux boire, tu mets la main et la main et la bouche, tout part. Tout ça, ce sont des dangers. Il y a les canicules. Ça, on peut en parler. Nous connaissons les canicules. Nous sommes un pays de chaleur, un pays de soleil. Et là, par exemple, maintenant chez nous, nous entrons dans la période la plus chaude. Mais ce n'est pas exactement la même chose en Europe. Et chez eux, ça sera vers juillet, août. Mais nous, c'est maintenant. Il fait chaud. Et là, nous sommes dans notre mois le plus chaud. C'est le mois de mars. Le mois où il fait le plus chaud du nord au sud du pays. Et où les températures atteignent les 32, 35 degrés. Ça, c'est au Congo Brazzaville. Au Tchad, n'en parlons pas. Au Tchad, la température atteint 58 degrés à l'ombre. À l'ombre. C'est pourquoi nos pauvres frères tchadiens sont très noirs. C'est le soleil qui les a brûlés. Et ça, c'est une réalité qui est là. Et vous avez à peu près la même chose au Niger. Et je crois une partie du Cameroun aussi. C'est pourquoi, même au Cameroun, vous verrez qu'il y a une différence de terre. Nos frères du Cameroun peuvent en témoigner. Selon la zone où vous êtes, quand vous êtes dans une zone, il fait très chaud, vous serez très noir. Mais s'il fait moins chaud, ça sera différent. Et d'ailleurs, prenez le cas du Congo. Il y a une différence entre le nord et le sud. Au sud, les gens sont plus bruns. Comme notre frère Médard, le diacre là-bas. Par rapport au nord, parce que ici, nous avons le vent marin. Même quand il fait très chaud, il y a toujours un vent frais qui souffle. C'est ça la différence. Mais les canicules sont des vagues de grande chaleur. Il y a des canicules qui sont restées historiques. Ce sont les canicules de 2003 dans toute l'Europe. Ça avait fait 70 000 morts. Et beaucoup de vieilles personnes décédées ne supportaient pas la chaleur. Elles mouraient. 70 000 morts, 2003. Et nous avons aussi d'autres dangers qui tuent tous les jours, mais les gens ne comprennent pas. Les avalanches, donc les chutes de neige. La neige qui est compactée, quand les skieurs viennent dessus, dérangent cette neige. Alors, il y a une coulée de neige en abondance et en désordre. C'est dévastateur. Vu sa force, sa puissance et sa vitesse, ça tue. Récemment encore au journal, on annonçait la mort des skieurs. Ils ne comprennent pas. Ils ne font que mourir. La mort est partout sur la terre. Il y a les ouragans, même famille que les cyclones.
Il y a les blizzards que nous ne connaissons pas, mais que William Branham connaissait, parce que ça frappe en général au Canada et au nord des États-Unis. Et vous vous rappelez que Frère Branham avait arrêté un blizzard. Et bien, ce sont des vents du nord très glaciales et qui sont accompagnés de tempêtes. Et ce sont des tempêtes qui sont aussi violentes. Enfin, c'est des tempêtes de neige qui tombent pendant cette occasion-là. Et ça s'appelle des blizzards. Nous, nous n'en avons pas ici. Je prie toujours Dieu que jamais nous n'ayons aujourd'hui, plutôt ici, une neige qui tomberait un jour. Parce que tenez-vous bien, nous ne sommes pas un pays de neige. Mais avec les variations climatiques, un jour, brusquement, on pourra se lever un matin et puis tout est la neige partout. On ne sait pas, on ne sait rien. On ne sait pas. Des pays comme le Kenya, en tout cas, ils peuvent connaître ça. Parce qu'en ce moment là-bas, la température est très basse. Même quand il y a le soleil, il fait très froid. Un froid de climatiseur. Même quand il y a le soleil, la température chute jusqu'à 12 degrés en pleine journée. Et la nuit, dans certaines régions, ça va jusqu'à 6 degrés. Et la journée, même quand il y a le soleil, il fait froid. Il faut se couvrir. Et ça, peu importe la saison. Donc on ne sait pas. Des choses comme ça peuvent arriver dans ces endroits-là. Je pense que quelqu'un a dû me dire que c'était déjà arrivé dans les régions du nord, de là-bas. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il y a les éclairs. Ça, nous connaissons. Vous connaissez tous le tonnerre. Accompagné des éclairs qui frappent des maisons, déchirent des arbres. Font sécher les arbres. Vous connaissez tout cela. C'est des phénomènes que l'on vit beaucoup plus dans les plaines, tels que dans les plateaux Bateke. En sortant de Brazzaville, vous avez là-bas une zone de tonnerre extrêmement forte. Et ce tonnerre-là, quand il frappe, je vous dis, vous voyez l'arbre déchiré. Il sèche sur place. Mais ici, nous avons aussi des tonnerres comme ça. Mais le plus souvent, ce sont les manipulations des sorciers dans leur règlement des comptes contre leurs ennemis. Il y a aussi les guerres civiles. Attendez, les guerres civiles ne font pas partie des catastrophes naturelles. Mais je veux dire qu'à côté de ces catastrophes naturelles que je viens de vous montrer, et il y en a bien d'autres que j'aurais pu citer, en dehors des catastrophes naturelles, il y a aussi d'autres dangers comme les guerres civiles. Mes amis, nous sommes en Afrique et nous connaissons ces guerres civiles. Ce ne sont pas des bonnes choses. Chez nous-mêmes, dans notre pays, nous les avons connues. Et vous vous rappelez qu'une bonne génération de Congolais a grandi sans connaître ces choses, jusqu'à ce que finalement, vers les années 93 ou 90 par là, nous commencions à connaître ces choses. Et d'autres pays en ont fait aussi l'expérience. La RDC, la Côte d'Ivoire, le Centrafrique, et tchatchera, j'en passe. Et ça, c'est des dangers qui guette aussi l'être humain. Nous ne voulons pas de cela. Mais c'est un danger. Et ça reste un danger. Vous avez les émeutes. Les émeutes. Les soulèvements des populations. Parce qu'ils ont été mécontents de quelque chose. Et bien ça aussi c'est un danger. Parce que souvent ce sont des gens qui n'étaient même pas dans la révolte qui meurent. Des gens qui perdent leur commerce et leur bien. Ça aussi, ce sont des dangers. Vous voyez que le danger, il est partout. Vous avez les ruptures de relations heureuses. Rupture des relations heureuses. Telles que dans les mariages.
à cause des adultères, à cause des phénomènes ethniques. Et ça, ce sont des choses que nous avons connues. À cause des problèmes ethniques, on sépare des couples. Des couples se séparent. Des mariages sont interdits. Ça, c'est à cause de cela. Et à côté de tout cela, vous avez un phénomène grave aujourd'hui. Les maladies. Mes amis, vous savez vous-même qu'à l'heure où nous parlons, les maladies deviennent de plus en plus virulentes, de plus en plus fortes. Et il y a d'apparitions de maladies jamais connues et devant lesquelles la science se trouve désarmée. Et même si vous avez votre argent, il n'y a pas de traitement possible. On vous donne un traitement de maintien, mais il n'y a pas de traitement curatif et vous êtes presque condamné à mourir. Mais pourquoi mourriez-vous? Puisque nous pouvons être à l'ombre du Tout-Puissant, pourquoi mourriez-vous? C'est la question que Dieu vous pose. Vous direz, mais pasteur, il n'y a pas de solution dans le monde. Oui, dans le monde, il n'y a pas de solution. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution du tout. Il y a un autre danger qui devient de plus en plus fort et menaçant. De nos jours, c'est le terrorisme. Il ne concerne pas que l'Europe. Et les pays occidentaux. Ils touchent aussi l'Afrique. Le Mali a été touché. Le Burkina a été touché. Et d'autres pays en font les frais. Comme le Cameroun. Le Niger. La RDC. Et l'Occident. N'en parlons plus. Quand vous payez le billet aujourd'hui pour aller en Europe, vous ne savez pas toujours si vous allez revenir. Vous ne savez pas. Parce que vous pouvez y rester. Un jour, il y a eu une alerte à la bombe en France. Et là, qu'est-ce que tu dis en France? Et ma soeur m'a écrit pour me dire, tu peux pas imaginer, je viens de passer devant cette voiture à 17h. J'ai eu la chair de poule. À 17h, elle est passée devant cette voiture. Où il y avait ces choses-là. Vous voyez que vous ne savez pas si vous reviendrez ou pas. Parce que ça ne choisit pas qui ça va frapper. Je voudrais vous dire, chers amis, que le terrorisme aujourd'hui est un grave problème dans le monde. Et le terrorisme, ce n'est pas une question politique. Ce n'est même pas une question théologique. Théologique, il y a malanki, de religion, il y a des bundu, mais c'est une nécessité d'exister. Kasi yakele kingolo na kuzinga. C'est l'existence même qui est menacée. Luzingu ya bumutu bakena kukwamisa. On tue bakena kufwa des innocents. Babantu zaba diambuve. On tue bakena kufwa des gens qui ne connaissent rien. Babantu zaba kima mosive. Pour des causes tout à fait farfelues. Samuna banza sa ya kondwa mvutu. C'est une nécessité d'exister. Imaginez que vous êtes avec votre mari. Vous vous saluez. Vous vous embrassez. Et il vous dit, je m'en vais acheter du lait pour l'enfant. Il sort en disant au bébé, attends-moi, j'arrive. Et vous apprenez qu'il y a eu un boom là-bas. Explosion. Le temps de sortir, votre mari fait partie des morts.
sentirez. À peine nous étions ensemble. Il vient de partir. Vous vous sentirez comment? C'est pour vous dire, chers amis, que c'est un réel problème dans ce monde. Un réel problème. Mais les terroristes, quand ils frappent, ils ne disent pas toujours que nous allons frapper demain. Ils ne disent pas toujours le lieu. Mais ils aiment les endroits où il y a des foules. Afin de marquer un grand coup. Et essayer de faire connaître leur, faire leur propagande. Et vous voyez qu'après un attentat, il revendique l'attentat. Il dit c'est nous qui avons fait tel groupe. Mais il revendique quoi? La mort des innocents. La mort des innocents. Mes frères, nous n'en savons rien. Et ça, c'est un danger. Il y a une histoire qui ne me quitte jamais. Un couple venait de se marier au Canada. Jeune couple. Un beau garçon plein d'avenir. Une belle jeune fille qui venait de trouver son mari. Et il décide d'aller passer leur lune de miel à Paris. Ils y vont. Et quand ils arrivent à Paris, ils décident de faire un peu le tour. Et d'aller dans d'autres endroits. Ils prennent, je crois, le métro ou le train. Sans ce temps-là qu'il y avait des tensions entre la France et l'Algérie. Avec le FLN. Il y a eu un attentat à Paris. Où, dans ce train dans lequel ils étaient. Où exactement? Dans le wagon où était le couple. Et le couple est mort. La lune de miel dans la mort. Ils se sont mariés. Ils vont en lune de miel. C'est pour dire adieu à la vie. Explosion dans un train. Ils ne savaient pas que ça pouvait arriver. Ils ne savaient pas que ça devait arriver. Alors je veux vous dire que le danger est parti. Et il y a des choses sur lesquelles on ne vous dira jamais la vérité. Il y a des médicaments qui sont de véritables poisons, mais qui nous sont vendus. Et quelques temps après, vous apprenez qu'on a retiré ça de la circulation. Mais sondez, creusez l'information. Ils étaient au courant il y a longtemps que ça tuait. Mais comme ça devait faire une perte, ils ont laissé le stock qui est en Afrique en circulation le temps de ramasser leur argent. Donc nous, nous sommes des cobayes, on peut mourir, il n'y a pas de problème. Les dangers sont partout. Est-ce que vous savez que votre téléphone portable est à la fois un danger et un bien? Quelqu'un, il prend son téléphone portable, il est dans la voiture, les vitres fermées, et l'appareil est à l'oreille, et la voiture roule. Voilà une bonne façon de faire pour avoir le cancer. Non. On ne devrait pas faire ça. Les vitres devraient être baissées. Et en parlant, pendant que la voiture roule, le téléphone doit être posé quelque part. Et vous mettez le haut-parleur, mais pas à l'oreille. Il y en a qui dorment même avec, comme un bébé. Il ne reste plus qu'à donner du lait à ce téléphone portable. Sans se rendre compte que c'est un danger.
Vous savez vous-même qu'avec les pirateries qu'on a ça et là, tu parles au téléphone, il est encore à la charge. Toi tu dis non, non, je profite de la charge. Allô, oui, allô. Avant de terminer, oui, ça explose. Ça amène toute la joue. Tout ça c'est des dangers. Il n'y a pas un endroit de la terre où il n'y a pas de danger. Et chers amis, nous vivons en danger. Quelqu'un m'avait dit, quand vous prenez votre voiture, vous montez là-dedans et vous vous mettez sur la voie publique, vous êtes en danger. Et vous mettez aussi les autres en danger. Voilà pourquoi il faut conduire prudemment. Si tu es sous, plein d'alcool, tu prends le volant. Tu peux mourir, tu peux aussi tuer d'autres. Mais la voiture, c'est l'un des éléments les plus meurtriers de la terre aujourd'hui. Combien de gens meurent? Maintenant, mes amis, je veux moi vous montrer autre chose. Un frère ici à l'église, ils sont venus me voir. Il dit, pasteur, nous allons faire un tour dans tel village. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Que Dieu soit avec vous. Allez-y. Ils sont partis. J'ai senti dans mon cœur que quelque chose n'allait pas. Mais il fallait qu'ils y aillent. Si je leur dis non, ils ne vont pas trop aimer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement prié. Je les ai laissés partir. Ils arrivent à la hauteur de Inda. Vers l'Nkumbi ou quoi là. Alors ils font un croisement mauvais avec un gros véhicule. Le chauffeur qui conduisait leur moyen, le temps d'éviter ce gros véhicule, il braque brusquement. Alors leur véhicule fait tourner, ça tourne. Ça roule une fois, une deuxième fois, ça roule, ça roule, ça roule. Et ça va tomber quelque part. Le frère, ils étaient deux. Ils sont sortis tous sains et saufs. Et ils m'ont dit, pasteur, à l'instant où le choc devait avoir lieu dans l'accident, juste avant, il dit, j'ai senti comme si j'étais sorti de moi. Après, dans une fraction de seconde, c'est des moments que nous ne contrôlons jamais. C'est l'accident. Alors ça roule, ça roule, ça roule, et voilà ce qui s'est passé. J'ai moi-même déjà connu un accident. Et je sais ce qui s'est passé. Ce jour-là, je courais, j'allais quelque part. Je voulais rattraper, je ne sais pas quoi. À l'instant où l'accident devait avoir lieu, à cet instant-là, je suis au volant, mais j'ai perdu connaissance. À l'instant-là, et dans la fraction des secondes qui venaient, c'était le choc. Ça arrive. Et si Dieu n'avait pas été là, il n'y aurait plus de pasteur Francis. Les dangers, ça guette tout le monde. Maintenant, suivez-moi bien. Quand on est en face du danger, l'être humain manifeste trois comportements différents. En face du danger. Moi j'appelle ça les trois F. Imaginez que vous êtes en forêt et brusquement vous êtes surpris par un animal féroce.
Qu'est-ce que vous ferez? Fuir. Non, ça ne serait pas la première réaction. La première réaction de l'être humain, c'est de se figer. Il s'arrête. D'abord, il est étonné de cette mauvaise rencontre. Ensuite, automatiquement, il se demande, mais qu'est-ce que je vais faire? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant commencer à évaluer la situation. Donc, il se fige d'abord. Évaluer la situation et voir la décision qu'il faut prendre. C'est la première réaction. Se figer. Il se fige. Il s'arrête net. Il ne bouge pas. Et vous verrez que même chez les animaux, il y en a qui font le mort. Donc il fait semblant de montrer qu'il est mort pour éviter le danger. La deuxième réaction, c'est justement fuir. Alors, l'être humain peut fuir en se disant, je vais essayer de distancer cet animal. Mais je voudrais vous dire, mes amis, que même si vous prenez votre jambe beaucoup, il faut être Carl Lewis pour battre un animal au sprint. Il faut être un animal pour battre, il faut être Carl Lewis pour battre un animal au sprint. Parce que là, l'être humain ne peut pas courir plus vite que l'animal. S'il te veut la peau, il veut t'attraper, tu ne courras pas plus vite. Donc avant de courir, sois sûr que c'est la bonne décision. Parce que les animaux féroces n'aiment pas tout ce qui bouge. Rappelez-vous que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, comme une bête féroce. La peur, parce que la fuite, c'est quoi? Mais c'est la peur, non? Tu fuis parce que tu as peur. Donc quand tu fuis, le diable regarde, il n'y a pas la foi. Il a peur. Celui-là, je vais l'avoir. Et justement, il t'aura. Parce que tu as peur. En fait, de quoi avez-vous peur? De la mort? Mais c'est justement de ça que nous avons peur. J'ai peur d'être tué. J'ai peur de mourir. J'ai peur qu'il m'arrive malheur. Mais est-ce que vous réalisez aussi que si je suis chrétien, peu importe comment je meurs, ça n'a pas d'importance. Et si je meurs maintenant, à cet instant même, je serai dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est mieux? La présence des hommes ou la présence de Dieu? Alors, je crois que la peur peut commencer à tomber. Tu as peur? Non, on va me tuer. Mais tu mourras toujours un jour. Si tu rates un lundi, ça sera un mardi. Si la mort te rate un mardi, ça viendra un jeudi. Mais si ça te rate en 2017, ça viendra en 2018. La mort viendra toujours. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, la peur de quoi? Le chrétien doit dire, Seigneur, si c'est ta volonté que je meure maintenant, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et ensuite, il peut présenter une demande en disant à Dieu, mais je souhaiterais ne pas mourir maintenant parce que j'ai encore mes enfants qui sont tout petits. Accorde-moi la grâce de vivre encore. Seigneur, délivre-moi.
Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas la peur. Mais mes amis, mais si je quitte la terre et que je vais de l'autre côté, mais j'ai fini avec les souffrances de la vie, là-bas il n'y aura plus de paludisme, il n'y aura plus de tuberculose. Toutes ces choses n'existent pas. Là-bas on ne transpire pas pour manger. Là-bas, pour voir un frère, on ne prend pas un bus. Amen. Tu penses à un frère, tu te retournes, il est devant toi. Alléluia. Donc n'ayez pas peur. La mort n'est pas mon maître. La mort n'est pas ton maître. La mort est un véhicule qui vient te prendre pour t'amener vers ton véritable maître. Amen. Ne craignez rien. C'est la chose qui doit commencer d'abord à quitter les enfants de Dieu. Et le prophète Branham dit, la peur est la plus grande malédiction de l'église aujourd'hui. Les gens ont toujours peur. Il va m'arriver. Il va m'arriver. Ce qui est établi arrivera. Que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Mais ce qui n'est pas établi n'arrivera pas. Et même quand c'est établi, il y a une loi de Dieu qui te donne la possibilité d'arrêter la chose et de la changer. Je peux entendre un amen? C'est là où je veux vous amener. C'est à ce niveau-là que je veux vous amener. Ézéchias, le roi, le prophète Esaïe vient le voir. Et il lui dit, roi, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Ce n'était même pas une menace de Satan. C'était un ainsi dit le Seigneur. Dieu lui-même. Ézéchias, tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison. Ézéchias écoute le message libéré par le prophète. Il dit d'abord amen au prophète. Alléluia. Amen. Amen. Il dit d'abord amen au prophète. Et quand le prophète part, Ézéchias se retourne contre le mur. Et il parle à celui qui avait envoyé Esaïe. Seigneur, je reconnais, j'ai failli. Le péché d'Ézéchias, c'était la négligence. C'est ça que Dieu lui reprochait. Il se repent. Il demande pardon à Dieu. Et il demande à Dieu la grâce de la vie. Esaïe, avant qu'il ne saute la parcelle, l'ange de Dieu l'attrape. Esaïe, arrête-toi. Il dit, oui Seigneur, fais demi-tour. Repars voir Ézéchias et détruis ta prophétie. Alléluia. Amen. Va détruire ta prophétie. Va lui dire le contraire. Mais Seigneur, je viens de dire à peine que. Il dit, maintenant va dire autre chose. Parce que mon fils a prié. Mon fils a parlé. Mon fils n'a pas tremblé. Mon fils a pris le chemin qu'il fallait. Esaïe revient. Ézéchias, ainsi dit le Seigneur, 15 ans te sont ajoutés. Amen. Donc il y a ce figier en face du danger. Le deuxième F, c'est fuir. Mais comme j'ai dit, soyez assez certain de votre sprint, de votre force dans le sprint. Et à ce niveau là, dans la fuite, c'est là où intervient beaucoup de choses. Je vais y revenir. Troisième comportement, c'est faire face au danger. Il faut sauter le danger. Alors là, il faut chausser ses gants de boxe pour se battre et affronter le danger. Mais attention, là ça risque d'être très sportif. Donc soyez aussi sûr de votre force dans le combat. Ah, c'est exactement ça. Ça c'est bien traduit. C'est-à-dire, il faut être sûr de ton coup de poing.
de ta force de frappe. Il faut être sûr. Alors mes amis, dans le phénomène de fuite, commençons par le phénomène de te figer. Lorsqu'arrive le danger, il y a des gens qui se figent tout simplement. Et parfois, vous le voyez la figer, après il tombe. Et que fait l'animal féroce? Il arrive, il se met à table. Et donc, dans un cas comme celui-là, en face du danger, tu restes figé. Tu seras vaincu par le diable. Mais si tu te figes, ça doit prendre juste un court instant, juste le temps de te permettre de voir quelle est la meilleure solution à prendre. Mais ne reste pas indéfiniment sans rien faire. Est-ce que les chrétiens m'entendent bien? Dans la fuite, c'est là où les gens font plein de choses. Il y en a en fouillant qui vont vers les rivières, qui vont vers les arbres, grimpent sur un arbre parce qu'il y a le feu. Il y en a qui vont vers les buissons. Il y en a qui vont dans les caves, dans les grottes. Mais il y en a d'autres qui se disent, ah non, je dois aller à l'étranger. Je quitte le pays. C'est aussi une fuite. Parce que si Dieu avait voulu te placer à l'étranger, tu serais né à l'étranger. Nous sommes d'accord. Mais Dieu t'a placé ici parce qu'il trouvait que c'était le meilleur endroit qu'il fallait pour que tu rencontres le message et que tu sois dans l'épouse. Et maintenant, quand il s'agit de faire face, là encore, il y a d'autres comportements qui se manifestent. Il y a des gens, pour faire face au danger, à la difficulté qui est en face de lui, il fait quoi? Il va voir des féticheurs. On lui fait des gris-gris. On prend l'os d'un poulet que le féticheur venait de manger. Il a sucé. Il prend, il met dans des feuilles. Il fait des grimaces. Et il te dit, voilà, c'est ça qui va te protéger. Hein? L'os d'un poulet. Même dans la maison, quand vous mettez ça, passez deux jours après, la souris a commencé à se servir. Et il ne meurt pas. Et c'est ça qui va vous protéger. D'autres mettent autour de la taille. Il y a un coquillage. Le coquillage qu'on a ramassé au bord de la mer là. C'est ça qui va te protéger. Il y en a qui portent ici au cou la dent d'un gorille. La dent là. Le gorille mort là. C'est ça qui va te protéger. Il y en a qui vont voir des magiciens. Alors vous le voyez le soir. Il trace un cercle. Il fait des dessins bizarres à l'intérieur. Et il rentre au centre. Et s'assoit en tailleur. Alors il dit, ah là, là ça va. Le diable fera ça. Quand je suis arrivé nouvellement à Pointe-Noire, l'un des premiers cas que j'ai traité, on m'amène une soeur. C'est un ami pasteur qui m'amène cette soeur. Elle souffrait d'un problème de mari de nuit et de perte de sang sans arrêt, comme la femme qui avait la perte de sang de chez elle, quand les règles commencent, ça peut faire 2 mois, 3 mois. Ça ne fait que couler. Sans arrêt. Et mari de nuit, toujours. Ils ont tout essayé. Ça n'a rien donné. Quand moi j'arrive à Pointe-Noire, elle était internée dans une église, je tais le nom.
Les églises ont inventé beaucoup de choses. Hein? Il y a même des internats pour malades. On n'a plus besoin des hôpitaux, c'est maintenant les églises. Donc elle était internée là-bas. On a mis une cuvette, on a mis l'eau, des bougies, tout ça. Le soir même où elle rentre là-bas, on a fait tous ces grimaces-là. Le même démon qui l'avait attaqué pendant des années est rentré dans l'église. Est venu se servir. Il finit les pâtes. Le matin, le pasteur de l'église vient trouver la sœur en train de pleurer. C'est alors que on va m'amener cette sœur. Elle arrive. Il dit, ma sœur, ici il n'y a pas de grimaces. Il n'y a pas de seau pour mettre de l'eau, il n'y a rien. Mais je te dis, puisque ton pied est arrivé jusqu'ici, ce problème est terminé. Elle me regarde. J'ai dit, je répète, comme tu es arrivé jusqu'ici, ce problème est terminé. Et je lui donne un témoignage. Si tu es tombé malade, tu as tourné les églises dénominationnelles, bam, 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 ça n'a pas marché. Tu arrives au message, tu n'es pas guéri, c'est que tu mourras. Mais comme tu es arrivé ici, tu vas vivre. Je prie pour elle. Elle quitte. Il dit, pasteur, est-ce que je peux repartir? Repart pour toi. Quand elle me quitte, là, elle repart. Le sang s'arrête le même jour. Marie-Denis finit le même jour. Le pasteur qui l'avait amené me ramène le témoignage. Il dit, allez bénir Dieu. Moi, je n'ai fait que faire le travail. Ce n'était pas moi. C'est lui qui l'a fait. De quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler de ce que vous savez. Pas d'une imagination. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Si on imagine, j'arrive dans la ville de Wando. Une jeune femme très belle. Très belle. Une enseignante. Elle venait de divorcer avec son mari, ça faisait à peu près 6 mois. Son mari n'avait pas accepté ce divorce. Elle ne supportait pas cela. Et avait donc décidé de rendre la vie difficile à cette femme pour qu'elle ne se marie plus. Qu'est-ce qu'il fait? Lui n'envoie pas de mari de nuit. Il envoyait une pluie de pierres. Donc la sœur, où qu'elle peut se trouver, il y a une pierre qui quitte le ciel qui tombe, une autre tombe, autour d'elle, partout, à l'école, au travail, elle est enseignante, dans la classe, ça tombe devant les élèves, à la maison, ça tombe, à l'église, ça tombe. Dans la rue, ça tombe. Ça quitte le ciel, ça. Ça quitte le ciel. Donc c'est une pluie de pierre. Maintenant, un jour, c'était tellement trop. Elle était dans une dénomination. Ironie du sort, le pasteur de cette église, je tais le nom, sa maison était face à face de la maison du pasteur de l'église du message que moi j'étais parti remplacer à Owando. Donc un jour, c'était grave, la soeur se disait, je vais mourir. Elle fuit la maison. Elle va chez son pasteur. Quand elle arrive chez le pasteur, la pierre tombe entre elle et le pasteur. Le pasteur lui dit en face, ah soeur, moi aussi j'ai peur. La soeur dit, frère, au nom de Jésus, la soeur dit, mais moi j'ai fui chez le pasteur parce que c'était ma seule solution. Mais lui me dit qu'il a peur, lui aussi. Qu'est-ce que je vais devenir? Elle hésite d'abord. Mais là en face, habite le pasteur du Dieu vivant. C'est comme ça qu'on nous appelle. C'est eux-mêmes qui disent ça, c'est leur témoignage. Qu'est-ce que je fais? Alors elle s'est éclipsée. Elle a trouvé une occasion de venir me voir. Elle arrive. On lui dit, le pasteur n'est pas là. Il dit, bon, est-ce que je peux l'attendre? On n'est pas sûr qu'il vienne maintenant. Hein? Frère, donnez-moi seulement la chaise.
La sœur ne pouvait plus repartir. Elle s'est dit, comme moi je suis arrivé ici, je reste ici. Elle s'est assise là. Elle attendait. Je ne quitte pas ici. Je suis rentré à 21h parce que j'avais un autre travail que je faisais pour quelqu'un qui avait aussi un problème de santé et les hôpitaux n'avaient rien pu faire. Donc je rentre tard. J'arrive, je viens trouver quelqu'un assise. J'ai salué. Bonjour ma soeur. Je rentre pour moi. Quand je rentre, ceux qui habitaient avec moi me disent, pasteur, la soeur ici t'attend. Comment ça? Elle ne pouvait pas me voir un autre jour. Non. Elle n'est pas de l'église, elle est d'une autre église. Elle est deux. Elle t'attend. D'accord. Je sors. Je salue la sœur de nouveau. On prie un petit moment. Elle m'explique. Voilà. Là, j'étais chez le pasteur. La pierre est tombée entre moi et le pasteur. Le pasteur a dit qu'il avait peur. Alors, je n'avais pas de choix. J'ai décidé de venir ici. Je la regarde. Et je lui dis, comme ton pied a touché le sol de cette parcelle, ce problème là est terminé. Elle me regarde encore. Elle dit, ma soeur, je ne te flatte pas. Cette affaire là est finie. On arrête ça aujourd'hui. Prions dans la cour là. Prie pour elle. Les soeurs, en tant que serviteur de Dieu, je te le dis, crois-moi, rentre. Si la pierre tombe encore, je suis un faux pasteur. Elle est partie en guettant si une pierre va tomber. Jusqu'à la maison. Premier effet, la pierre n'est pas tombée. Elle rentre. Elle se disait peut-être que toute la nuit, rien. Le lendemain, rien. Le surlendemain, rien. Elle va à l'école, rien. Au marché, rien. Elle est revenue me voir. Et elle m'a dit, pasteur, je quitte la dénomination. Je viens prier chez vous maintenant. Je lui dis, je ne te force rien, c'est toi-même. Il dit, pasteur, c'est mon cœur. Là-bas, on avait peur, non? Je préfère être ici. Je vous montre quoi? Suivez-moi bien. Regardez ce que je dis à cette femme. Comme ton pied a touché le sol de cette maison, cette affaire est terminée. Attendez, je ne vais pas loin. Dans ce tabernacle, j'ai eu un cas. Un frère qui était marié avec une femme, pas d'enfant, il divorce. Prend une autre femme, pas d'enfant. Il prend une autre femme encore, toujours pas d'enfant. Il dit, ah, on dirait que ce n'est pas les femmes. Ça, c'est un autre problème. Alors, il s'est mis à chercher. Ça faisait des années. On l'a présenté à moi. Et on l'amène chez moi. Il arrive à la maison. Il m'explique son problème. Je le regarde. Et je lui dis, comme ton pied a touché le sol de cette maison, cette affaire est terminée. Tu auras un enfant avec la femme qui est chez toi là. Ne la répudie pas. Je dis, donne-moi ta main. Je prends sa main. Je prie, même pas une minute de prière. On termine, il rentre. Dans les mois qui suivaient, la femme est enceinte. Elle a mis au monde. L'enfant vit jusqu'aujourd'hui. Je vous montre quoi là? Vous voyez, ça fait plusieurs cas. Qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre qu'il s'agit de savoir de quoi vous parlez. Il ne s'agit pas d'imaginer. De quoi parle-t-on? Eh bien, il s'agit de quelqu'un qui sait qu'il est à l'ombre du Tout-Puissant. Quel que soit le danger qui est là, mes amis, je vous ai parlé des dangers qui entourent la terre. Mais si vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant, et vous le savez, je dis, vous le savez. Attention. Je n'ai pas dit, et vous l'imaginez. Je n'ai pas dit, et vous l'espérez. Je dis, et j'aurais dit, et vous le savez.
je reviens. Regardez, j'ai un vêtement sur moi. Si vous me demandez, pasteur, est-ce que vous avez un vêtement sur vous? Je vous dirai oui. Vous pourrez demander, comment le savez-vous? Je sais que j'ai un vêtement parce que je le sens sur mes épaules. Et je peux le toucher. Mais pasteur, comment toucher ce que vous dites là? Parce qu'on ne le voit pas. Ah bon? Vous ne croyez que ce que vous voyez? Ça, c'est la génération méchante et adultère qui fait cela. Pas les fils de Dieu. Dites-moi, mes amis, vous croyez en l'existence du vent? Le vent, il existe, oui ou non? Mais est-ce que vous le voyez? Vous pouvez le toucher? Mais pourquoi vous croyez qu'il existe? Ah, vous le sentez? Alors spirituellement, moi aussi, je sens que je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Je prends un autre exemple. Moi, je ne suis pas pressé. Nazo, mais ma bino na adoption. Si vous n'avez pas compris, c'est là où je vous amène. Parce que quand j'enseignerai sur ça, ces choses auront déjà été précédées. C'est ça mon problème. Donc, regardez. Il vous arrive d'avoir un pressentiment. Et vous dites, oh, on dirait que maman va arriver. Elle arrive. Et certains disent, mon petit doigt me dit que maman arrive. Ça, c'est une façon de parler en français. Mon petit doigt me dit que maman arrive. Et après, c'est maman qui arrive. Les autres disent, toi, tu es un sorcier. Hein? Comment tu savais que maman arrivait? Non. Je ne l'avais pas vue. Elle ne m'avait rien dit. Mais quelque chose en moi me disait que maman était en train d'arriver. Je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne pouvais pas toucher cela. Je le sentais et puis je l'ai dit. Maintenant là, vous devez savoir que le Dieu dont nous parlons, il n'est pas loin de vous. Il est juste là à côté de vous. Je vais plus loin. En fait, Dieu n'est pas à côté de vous. Mais il est en... Je vais plus loin. Je vais plus loin. Je vais plus loin. En fait, Dieu est plus proche de vous que ne l'est votre bras. Quelqu'un dit amen? Votre bras est hors de votre corps. Il est à l'extérieur. Mais Dieu est à l'intérieur. Maintenant, écoutez bien. Que vous soyez un vieux, un jeune, un adulte, un enfant, je voudrais vous dire que cette puissance d'en haut habite au-dedans de vous. Et vous êtes terrible. Quelqu'un dit amen? On ne doit jamais jouer avec vous. Les sorciers de votre famille n'ont qu'à faire gaffe. N'ont qu'à faire attention. Parce que vous êtes terrible. Je demande au diacre de ne pas me couper, pardon. Vraiment au nom de Jésus. Pardon, me couper par d'abord. Ne venez pas me mettre un papier pour dire qu'il est temps. Il faut que je dise ceci. Si
Si les enfants de Dieu ratent ça, c'est vous. Écoutez bien. Cette chose-là dont je parle doit maintenant être une réalité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut habite à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri du Très-Haut, c'est ça la zone de sécurité. C'est sa maison. C'est le Christ lui-même. Si je demeure dans cet abri, ça veut dire si je suis né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, et j'habite dans cette maison. Maintenant, si je suis né de nouveau, alors moi, je suis assis à l'ombre d'un gros arbre. L'arbre là s'appelle Jéhovah. À l'ombre de cet arbre là, le soleil ne me frappe pas. Il n'y a pas de dérangement. Je suis calme. Je suis au repos. Je reçois l'air, le vent qui me rafraîchit. Et je dois vous dire, chaque fois que nous échouons, chaque fois qu'une prière n'est pas exaucée, c'est uniquement lorsque nous sommes perturbés et que nous pensons que Dieu n'entend pas ou qu'il faut crier pour qu'il entende. Ce n'est pas nécessaire. Dites-moi, si vous allez voir le roi ou le président en audience, vous allez crier: Monsieur le président, je suis venu. Et avant de finir tes phrases, les gardes viendront te prendre. Tu vas passer quelques jours là-bas à l'ombre pour voir si le président s'y trouve. Mais quand on vient devant le président, on est calme. On commence même à ranger ses habits. Et on parle. Votre Excellence, là on choisit même les mots, hein. Votre Excellence, je viens. Vous voyez, on choisit même les mots. Et avec Dieu, c'est pareil. Prenez un enfant qui demande une chose à son père. Il arrive, il prend son chapeau, il retourne vers l'arrière. À la bouche, il a des chewing-gum. Il arrive: papa, papa, mon argent. Ça, c'est un yanka préparation. C'est un yanka en herbe. L'enfant qui demande à son père, il est comme ça: papa. Non, l'enfant dit: mais papa, comment? Mais tu m'avais dit, non? J'avais promis, non? Qu'est-ce qu'il fait là? J'avais dit, j'avais promis. Il fait quoi? Il rappelle des promesses. Amen. Amen. Alléluia. Mais l'enfant en question, notez bien, quand il parle, il sait que papa est en train de m'écouter parce qu'il le voit. Il peut même le toucher, comme certains enfants qui jouent avec leur père. C'est comme le petit Marion, malgré son âge là. Lui, malgré son âge, quand je lui fais quelque chose de bien, il saute sur mon cou. Bon, je ne peux pas lui refuser ça. C'est son droit aussi, non? Maintenant, nous aussi, nous devons sauter au cou de Dieu. Alléluia! Alléluia! Écoutez-moi bien. Écoutez mon âme. Écoutez bien. Je viens de parler. Je vais asseoir, cristalliser ça. Je récite l'écriture. Versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut habite
à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors, gardez-moi ce texte-là à l'écran. Regardez. Combien de fois on a utilisé un titre de Dieu dans ce texte? Regardez. Il y a combien de titres, de noms possibles qu'on a donné à Dieu dans le texte? Les deux versets là. Regardez. Vous arrivez à voir? Je vous aide. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il y a Très-Haut. Un. Repose à l'ombre du deux. Je dis à trois. Mon refuge et ma forteresse. Mon quatre. En qui je me confie. Quatre fois. Et la chose se trouve dans le livre quatrième des Psaumes. Le 4 qui renvoie à la délivrance. Et vous n'avez que 4 titres de Dieu là-bas. Alors regardez. D'abord vous avez très haut. C'est le tout premier. Hein? Ensuite, vous avez quoi? Tout puissant. En troisième lieu, vous avez l'Éternel. Yaseko. Éternel. Et enfin, Nakumanisa, vous avez Dieu. Nzam. Quatre. Yeah. Mais ne passons pas vite. Parce que là, c'est le socle de la révélation. C'est quoi le Très-Haut? C'est quoi le Tout-Puissant? Pourquoi Dieu est-il appelé l'Éternel? Et pourquoi l'appelle-t-on Dieu? Si vous saisissez ceci, fini. Je dis bien, c'est fini. En vous exerçant là-dessus, il n'y a aucun sorcier, aucun magicien. Personne ne vous mettra à terre. Je vous le garantis. Quel que soit le problème, que ce soit avec un être humain, avec un animal, avec les démons, ou même avec la nature, dans le cas des catastrophes naturelles, rien ne vous pliera. Rien ne vous mettra à genoux. Commençons par le Très-Haut. Je vais dans Genèse chapitre 14, le verset 19. Je préfère le lire dans la Bible pour que vous voyez, que vous compreniez et que la vie vienne. Regardez ça. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut. Continuez. Vous avez bien lu? On a dit: le très haut, c'est celui qui est le maître du ciel et de la terre. Autrement dit, celui qui règne sur toutes choses. Et c'est à son ombre que vous êtes. Sous sa protection.
La protection de qui? De celui qui règne sur tout. Amen. Amen. On n'a pas dit maladie. On n'a pas dit seulement ceci ou cela. Mais toute chose. Donc même dans vos affaires, vous êtes coincé. Vous pouvez appeler Dieu. Amen. Un frère, soutenait l'œuvre de Dieu dans une église dont je tais le nom. Il avait une usine qui fabriquait des saucissons. Avec l'argent. Un, lui, il payait sa dîme. Deux, son entreprise payait sa dîme. Trois, il soutenait spécifiquement l'œuvre de Dieu dans les voyages missionnaires de son pasteur. Alors, quand les gens ont vu que ces saucisses marchaient, un concurrent a fait une usine pareille. Il vient mettre cette usine en face de l'usine du frère. Et soudain, la compagnie du frère a commencé à connaître, à prendre de l'eau. Ça commençait à décliner. Les choses ne marchaient plus. Parce que le gars qui s'était installé en face avait cassé les prix. Le frère est allé devant Dieu. Seigneur, j'ai commencé cette œuvre et j'avais fait une promesse. Je devais soutenir ton œuvre. Et je n'ai jamais manqué de payer une seule dîme. Je n'ai jamais manqué à mes rendez-vous avec toi. Maintenant, regarde. La concurrence me met à terre. Où es-tu? Fais quelque chose. Et finis de prier. Dans la semaine qui suivait, un incendie se déclenche dans l'autre usine. C'était un incendie, ça a tout cramé. L'usine est tombée à fermer. Le frère est remonté. Le très haut, celui qui règne sur toutes choses. Que ce soit les mariages, le travail, les soucis de la vie, quel que soit le problème. Oh non, au boulot avec les chefs, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui est le maître de toutes choses. Je répète encore, ton chef là n'est qu'un homme. Il y a un passage de la Bible qui dit, les désirs sont nombreux dans le cœur d'un roi, mais Dieu les oriente où il veut. Donc vous avez la possibilité de changer plein de choses, mais vous devez savoir que celui que vous appelez, il est le maître de toutes chose. C'est pourquoi on l'appelle le très haut. Il n'y a donc pas sur la terre une situation qui peut échapper à Dieu. Je peux mourir aujourd'hui, je peux mourir demain, je peux connaître une difficulté, mais ça ne change pas ceci. Parce que toute chose qui nous arrive, c'est le plan et la volonté de Dieu. Et derrière ça, il y a toujours un enseignement de Dieu qui vient pour nous tailler, pour nous parfaire, afin de notre rentrée au ciel. Voilà ce qu'il en est. Le très haut. J'insiste. Le maître de tout, hein? Le maître de toutes choses. Il y a un homme de Dieu dans l'histoire. Faut m'en parler, j'ai oublié son nom. Ça doit être Saint Patrick d'Irlande, je pense. J'ai oublié le nom de la personne. J'espère bien que c'est celui-là. Il avait demandé une audience auprès du roi, du gouverneur. Le gouverneur dit, moi je n'ai rien à foutre avec ces chrétiens.
on a quand même persuadé de le recevoir. En général, lorsqu'il recevait les gens, il se levait pour les saluer. Quand le serviteur de Dieu arrive, il n'a même pas osé se lever pour le saluer. Frère Branham dit, Dieu était obligé de le faire à sa place. Il a envoyé des piquants sur le siège. Et il s'est levé devant le serviteur. C'est Frère Branham qui dit ça. Le maître des circonstances. Toute chose. Prenons le Tout-Puissant. N'oubliez pas. Je répète. Toutes choses. C'est-à-dire même si tu vas dans un village. Et on a dit que dans ce village, il y a vraiment des sorciers. Toi, tu n'es qu'une petite sœur. Ne t'en fais pas. Vas-y. Quand tu vas arriver, les sorciers vont toujours venir essayer. Le matin, tu vas voir les gens commencent à passer. Au lieu de passer dans la cour, ils dribblent dans le coin. Parce qu'ils avaient essayé. Après, ils disent, c'est un sorcier. La pauvre vient d'arriver. Elle a fait quoi à qui pour être sorcière? Suivez-moi bien. Nous prenons le Tout-Puissant. Amen. Alors, je prends le prophète directement. Dans la brochure. Écoutez bien. Le Tout-Puissant, c'est ce qu'on appelle encore en hébreu Shaddai. Permettez que j'écrive ça pour vous. En hébreu, on dit Shaddai. Shaddai. Avec deux fois la lettre D. Désolé. Et A, I très bas. Ici, parfois, on met un C avant. Parfois, pas de C. C'est la même chose en hébreu. Shaddai. Maintenant, attention. Comme maintenant, on veut dire le Dieu Tout-Puissant, c'est là où on dit maintenant El Shaddai. Vous arrivez? Elle veut dire Dieu. El. Donc, El Shaddai. C'est le Dieu Tout-Puissant. Mais Tout-Puissant seulement. C'est Shaddai. En fait, c'est Shaddai. Shaddai. Voilà ce qu'il en est. Prenons ça dans le prophète directement. Dans la prédication, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Je vais terminer bientôt. Prêchez le 1er octobre 61. Paragraphe 155. Non. Paragraphe 155. Il nous dit. Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu de l'éternité. Je suis El Shaddai. Je suis le Saint. Je suis la poitrine. Je suis celui qui donne la force. Peu importe combien tu es vieux, Abraham. Qu'est-ce que ça fait pour moi? Peu importe combien tu es stérile ou combien son sein est stérile, je vous donnerai un fils. Et Abraham a dit, je te crois mon Dieu. Et il a crié Alléluia. Abraham dit Alléluia. El Shaddai. El Shaddai. Je suis le Saint. Je suis la poitrine. El Shaddai. El Shaddai signifie le Dieu qui a des mamelles. C'est pourquoi il parle de poitrine. Je suis la poitrine. En d'autres termes, je suis celui qui donne la force. Le lait de la mère. Le lait venant de la poitrine de la maman. Donne la force à l'enfant. Quand tu as perdu tout
toute force. Tu as perdu le courage. Tu es découragé. Voire démoralisé. Tu es triste. Abattu. Et tu es abandonné à toi-même. Il y a quelqu'un qui ne t'a pas abandonné. Il y a quelqu'un qui est juste à côté. On l'appelle El Shaddai. Le grand El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Ne t'abandonnera pas. Et dans le cas d'Abraham, il y avait un problème en arrière-plan. C'était quoi? La stérilité de sa femme. Sa femme ne mettait pas au monde. Abraham vieillissait. Sa femme aussi. Et Abraham voyait son trésor qui va aller entre les mains des étrangers. Parce que la plupart de ses serviteurs n'étaient pas juifs. C'était des Égyptiens. Comme Agar, la servante de Sarah, qui n'était pas juive, mais égyptienne. Et Abraham dit, celui qui pourra hériter de ma maison, ça sera Eliezer. Mais il n'est pas né de ma maison. Il n'est pas né de ma famille. Qu'il soit juif ou pas, mais comment ferais-je? Je n'ai pas d'enfant. C'est là que Dieu se révèle à lui. Comme le grand El Shaddai. Quelque chose me dit d'appuyer là-dessus. Il y a un problème par là. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Abraham devenait vieux. Sarah était vieille et avait passé l'âge de mettre au monde. Dans un autre langage, en français, on va dire que Sarah s'était desséchée. Oh, il arrive dans la vie que vous vous mettez à dessécher. Vous commencez à sécher. Vos affaires sèchent. Vos affaires meurent sous vos yeux. Sans que vous ne soyez capable de faire quoi que ce soit. Quand arrive la sécheresse, que fait la feuille? La feuille cesse. Elle sèche. Elle perd la vie. Et dès que vous touchez, ça s'effrite. Vous touchez, ça s'effrite. Donc il n'y a pas un endroit qu'on peut sauver. Vous voulez sauver tel secteur, ça aggrave le problème. Vous voulez sauver ceci, ça aggrave le problème. Ce n'est pas vous qui devez agir en ce moment-là où tout s'est desséché. Parfois, il y a une plainte contre vous à la police. Plainte à la gendarmerie. Plainte au tribunal. Il y a des plaintes partout. Votre femme vous quitte. Vos enfants vous abandonnent. Vos plus proches amis disparaissent. Que faut-il faire? Vous avez besoin d'un Dieu qui a des mamelles. C'est là que Dieu descend et intervient en tant que El Shaddai. Vous le connaissez vraiment? Attention mes amis, ne parlons pas de Dieu en l'air. Vous risquerez de le juger en l'air. Je parle d'un Dieu réel, sérieux. On l'appelle El Shaddai. Quand tout a séché, tous mes espoirs se sont évanouis. Je n'attends plus rien. Mais là, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Quand je ne sais plus quoi faire, je tourne à droite, porte fermée. Je tourne à gauche, porte fermée. Je vais devant, porte fermée. Je vais derrière, porte fermée. Qu'est-ce qui me reste d'autre à faire? Regardez.
Je tourne à droite. Je tourne à gauche. Je tourne derrière. Je regarde devant. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alléluia. Je dois lever la tête vers le haut et appeler le grand El Shaddai. Oh Dieu! En Zambi. Ne traitez pas des gens de magiciens. Si vous ne voulez pas apprendre ces choses et les appliquer, vous voyez les autres avancer, avancer, avancer. Vous n'en savez pas le secret. Et vous parlez de magie. Il n'y a pas de magie. C'est l'adoption. Je sais. Je sais. Il y a un mystère dans cette phrase. Je sais. Tu sais quoi? Est-ce que tu peux dire je sais? Pas je pense savoir. Non, je sais. Alléluia. Seigneur, donne-moi la voix d'un archange. Alléluia. Donne-moi la voix d'un archange. Afin qu'ils entendent ce message. Et là, quelle que soit la chose demandée, vous la voyez. Si vous ne la voyez pas, c'est que Dieu est mort. Il n'est pas mort. Pasteur, je cherche du travail. Tu cherches du travail? Attends, on arrive. On est à tout puissant. Prenez l'autre, l'Éternel. Là encore, on dira, pasteur, mais je sais l'Éternel. Tu sais? Regardons d'abord ça de près. Savez-vous qu'au départ, on n'appelait pas Dieu l'Éternel? On disait seulement Elohim. Elohim. Ce qui a été traduit dans notre Bible en français par le mot Dieu. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu. C'est ça qu'on dit. L'hébreu en français. Mais entre-temps, on ne disait pas l'Éternel. On a commencé à dire l'Éternel quand? Il faut partir de là pour saisir pourquoi cet homme s'appelle l'Éternel et ça changera tout. Alors je vous le dis tout de suite, puisque je m'apprête à terminer. Le mot Éternel a été utilisé dans la, lorsque Dieu faisait alliance avec Moïse. C'est à cette occasion-là qu'il va se révéler à Moïse comme étant l'Éternel. Il y a deux passages clés. Je vais vous les donner. Mais moi, je vais lire le second. Là où ça se passe. Le premier passage, c'est Exode 3. Le verset 12. Vous pourrez regarder à la maison. Mais moi, je vais lire le second passage. Exode 6. Verset 1 à 3. Alors, je vais prendre ce passage à l'écran. Et vous allez voir ce que ça donne. Oh mon Dieu. Exode 6. Oh Seigneur. Oh Fumu. S'ils peuvent seulement comprendre, tout va se finir. Les diacres auront du repos. Vous serez prêts pour l'enlèvement. Regardez ça. Exode 6, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, c'est là qu'il se révèle à lui comme l'Éternel. Tu verras maintenant. Pardon, je m'arrête un instant là. Gardez l'écriture à l'écran. Pardon. Pardon. Nous sommes à l'UPR. Hein? À l'université. La université. De la parole. Yadiambu. Révélée. Ba ne passons pas vite. En général, dans un texte biblique,
Chaque fois que Dieu apparaît sous un titre donné, cela signifie que tout ce qu'il va dire là en bas est en rapport avec ce titre-là. C'est quoi? Dans les âges, quand il envoyait des lettres à chaque âge, il donnait à cet âge ses propres titres à lui qu'il devait manifester dans cet âge-là. Vous êtes avec moi? Maintenant, reprenons la lecture. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je, pronom personnel, pronom, c'est le français, non? Ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel. C'est une signature. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout puissant. Mais alléluia. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Dans certaines Bibles, je rends les choses simples pour vous. C'est ça le rôle du coach. Amen. Comment vous appelez l'enseignant? Ou l'entraîneur? C'est le coach, non? J'utilise vos mots. Je rends les choses simples pour vous. Dans la Bible, le mot éternel, dans certaines traductions bibliques, on met tout simplement le mot Seigneur. Ce qui veut dire le maître. The master. Le maître. Non, pas l'enseignant. Moulongisi, c'est l'enseignant. Je dis le maître. Fumu. Ah. Amen. Parce que là, on ne doit pas rater ça. Voilà ce qu'il en est. Il forcera. C'est-à-dire, même si la situation que tu as est compliquée, on a tout fait, ça ne donne rien. Tout le monde dit, tu vas mourir. Tout le monde dit, ça ne marchera pas. Tout le monde dit, maintenant, arrêtez d'écouter ce que les gens disent. Appelez l'Éternel. Okokufa. Okokufa. Tu dois mourir. Okokufa. Tu dois mourir. Tu vas mourir. Dis aux gens, je mourrai un jour, mais pas avant que l'Éternel ne l'ait permis. Mais ta maladie, non, je corrige, ce n'est pas ma maladie, mais je souffre d'une maladie. Si tu veux que ce soit ta maladie, c'est ton affaire. Moi, ce n'est pas ma maladie. Je refuse cela. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Amen. Ce n'est pas ta maladie. C'est-à-dire que maintenant,
pendant que je parle, tu peux te lever, abandonner cette maladie et rentrer guéri. S'il y a quelqu'un qui a assez de foi là, s'il y a là quelqu'un qui n'a pas peur, il peut se lever et dire amen à cela maintenant. Ça ne peut pas faillir. Dieu ne faillit pas. Il forcera. Forcera. Que ce soit les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes, les nourritures de nuit. Maintenant, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit, où Dieu est Dieu, où il est mort. Je parle d'un contrat de travail. Va. Va. Demande le travail. Ils te disent non. Rentre à la maison. Parle à Salomon. Parle à l'Éternel. Il forcera. Il forcera. Il forcera. Si tu veux qu'il force, toi aussi, tu dois forcer. En faisant quoi? Seigneur, moi ce que je veux, c'est ça. Rien d'autre. Seulement ça. Rien d'autre. Donne-moi ça et rien d'autre. Oh mon Dieu. Pardon. Lembo. You may be seated down. Pouvez vous asseoir un moment. Je vais vous montrer le quatrième point. Terminons là. La foi commence à monter. Là, ça commence à monter. Je la sens déjà là. La salle commence à devenir laiteuse. Une couleur blanche de foi. Justement, c'est ça qui produit le miracle. Tu étais venu ici, tu avais besoin d'un travail. Prenons d'abord le quatrième. Suivez-moi bien. Peu importe le besoin. Baptême du Saint-Esprit. Nouvelle naissance. Ceci, cela, peu importe. Quel que soit le besoin. Ça marche dans tous les cas. Tu as une affaire. Une entreprise pour toi. Tu veux que ça monte? Oui, ça va monter. Ça va monter. Ça deviendra grand. Comment? L'Éternel. Je n'ai jamais été connu sous ce nom-là. C'est maintenant que je me révèle sous ce nom-là. Et en tant que Seigneur, en tant qu'Éternel, je vais forcer. Là où on refuse, je force. Il ne veut pas, je force. Il refuse, j'oblige. Alléluia. Oh, il faut que je reste encore ici. Mes amis,
J'ai fait un effort de me ressaisir. Je vais prendre le quatrième point. Je termine là, je fais un effort de me ressaisir. Pourtant, il faut que je termine. Je suis obligé de terminer ça. Suivez ça, frère. Dieu, le quatrième titre que nous avons là. Alors on va incliner nos têtes. On va incliner nos têtes. Dieu tout puissant, toujours à mes côtés. Dieu tout puissant, à mes côtés, à mes côtés. Quel Dieu tout puissant, toujours à mes côtés. Tout puissant, tout qui est comme notre Dieu. Comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu, qui est, oh, qui est comme notre Dieu, qui est.
Jésus-Christ. Le Dieu qui guérit que toi. Alors si vous aviez un besoin que vous vouliez vraiment présenter à Dieu, c'est le moment maintenant de vous mettre debout et de parler au Seigneur. Où que vous soyez, sous les hangars, sous l'arbre, au balcon, partout, maintenant présentez votre demande à Dieu. Adressez-lui votre besoin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Je vous ai dit, mes amis, s'il ne le fait pas, c'est qu'il est mort. Mais il vit. Il vit. Il vit. Parle au Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle au Tout-Puissant. Appelle El Shaddai. Appelle l'Éternel. Ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, oh, oh. Il Alléluia. Fera. Oh, 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 oh. Il fera. Il fera. Croyez-le, il fera. Il fera. Il est déjà en train de le faire. Il fera. Il est en train de le faire. Dans ta vie, il fera. Il est en train de le faire. Ce qu'il promet, il fera. Il n'est pas un homme pour mentir, car il est juste. Et fidèle, Alléluia. Tiens sa main, oh, amen. Avec foi, il ne t'abandonne pas. Il fera pour toi. Il fera. Oh. Oh, 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 Alléluia. Oh, il fera. Alléluia. Oh, il fera. Infiniment abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit.
agir en toi, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, mais il fera. Yeah. Oh, il fera. Il fera, il fera, il fera ce qu'il t'a promis. Il fera, il fera, il fera. Il est le Dieu de l'impossible. Avec lui, tout est possible. Car il est juste et fidèle. Il fera, il fera. Maintenant, suivez-moi un moment. Toujours dans une atmosphère de prière. Toute personne qui est venue malade, peu importe le cas, avancez-vous simplement. Vous allez former une ligne. Même dans la rangée où se trouve frère Lozolo ici. Et vous allez vous toucher les épaules. Et je toucherai la première personne. Si vous pensez être malade, si vous savez que vous êtes malade et que vous avez besoin de guérison, peu importe le cas, que ce soit le sida, la tuberculose, le cancer, quelle que soit la chose, il forcera. Il forcera cette maladie à vous quitter. Alors, ils sont très nombreux. Vous allez juste former une ligne. Les uns derrière les autres, vous allez vous toucher seulement les épaules ou les mains. Et moi, je vais prier pour la première personne. Et Dieu fera pour vous. Même si la ligne continue là-bas dehors, c'est pas grave. Vous resterez seulement là-bas dehors. Mais soyez sûr de toucher la main de la personne qui est devant vous ou son épaule. Quand je vais prier, je vais vous indiquer. Et avant de quitter l'endroit là, je vous dirai, vous pouvez maintenant rompre les rangs. Et le diacre qui surveille la ligne là, vous aidera à rompre les rangs depuis l'arrière.
Alors, pendant que vous êtes là, vous ne quitterez pas la ligne si on ne demande pas à votre ligne de partir. Parce qu'il faut d'abord qu'on ait prié pour la première personne qui est sur votre ligne. Et Dieu enverra le feu sur toute la ligne. Il est l'Éternel. Il forcera. Il forcera ces démons-là à quitter vos vies. À partir. Pas besoin d'arriver jusqu'ici devant. Touchez seulement la personne qui est devant vous. Vous mettez la main sur son épaule. Même si vous n'êtes pas dans la ligne, vous êtes juste à côté. Mettez la main sur celui qui est dans la ligne. Dieu va vous toucher aussi, je vous le garantis. Très bien. Maintenant, je vais commencer avec la rangée des sœurs. Partout où il y a des sœurs là, et c'est la même rangée qui va jusqu'à le hangar qui est à ma gauche ici. Il y a même des frères aussi là-bas, il n'y a pas de problème. Je vais prier pour la première personne qui est ici. Et Dieu va envoyer son feu sur toute la ligne jusqu'à vous. Là-bas dehors, il va le faire. Je vais prier maintenant. Alors tout le monde, on a les têtes inclinées et les yeux fermés. Je vais prier à présent. Dieu notre Père Céleste, ma main est posée sur cette première sœur. Elle n'est pas seule. Il y a beaucoup d'autres sœurs et frères dans cette ligne qui va jusque là-bas à gauche, là-bas dehors. Dieu Tout-Puissant, quel que soit le problème qu'il y avait dans chacun d'entre eux, maladie, dérangement de toutes sortes, peu importe ce que c'est, que ce soit le cancer, le sida, la tuberculose, peu importe comment cette maladie est appelée, même si c'est le diabète, les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes, les nourritures de nuit et toutes sortes de dérangements, au nom de Jésus, que ces maladies sortent de ces gens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez dans cette atmosphère. J'ai prié pour la rangée des frères maintenant qui sont à droite. Et ça va jusqu'à dehors, le hangar qui est à droite et partout dehors là-bas. J'ai prié pour la première personne. Dieu notre Père Céleste, par l'autorité de ta parole, ma main est posée sur ce frère. Et il n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens derrière lui dans cette ligne, juste là-bas à droite, partout. Quel que soit le problème pour lequel ils sont ici, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent, Seigneur, leurs besoins. Qu'ils rentrent guéris, libérés, sauvés. Et obtenons ce qu'ils ont demandé. Que l'honneur soit à toi, toi l'Éternel. Puisses-tu forcer toutes les puissances de Satan de sortir de ses frères.
sœurs de quitter leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma main est posée sur ce frère. Pour cette être l'une des frères qui veut ce que dehors également et à droite. Quel que soit le problème pour lequel ils sont ici, je donne à Satan de sortir de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, toi esprit mauvais, si tu t'entêtes à présent, que l'Éternel te brûle par son feu. Que chacun reçoive l'objet de sa demande. Peu importe ce que c'est, qu'il voit que Dieu est réel et qu'il est grand au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Calmement, vous pouvez quitter les rangs. Mais par l'arrière, les diacres vont vous indiquer. Calmement. Et voyez le miracle que l'Éternel va accorder et manifester dans votre vie. Voyez. 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 Voyez simplement ce qu'il va faire. Voyez tout simplement. Dieu vous bénisse richement. Rentrez dans sa paix. Et voyez Dieu manifester dans votre vie à partir de cet instant. Shalom. Pas de soucis.
si c'est la même chose. L'insécurité dans la chair et dans l'âme, ce n'est pas comment je partirai qui m'importe. Mais la question c'est de savoir vraiment si je partirai. Oh mon Jésus est